Les Hoffman Brothers, c'est un petit peu des Lopez quand même. Hoffman, votez-moi! Alors, en fait, Natix, si tu veux, là on est arrivé sur Crusade Against Jihad. J'ai capturé le califat, donc c'est à moi. Il y a Cyprus qui s'est fait capturer par je sais plus qui, donc c'était la dernière petite faction. Et maintenant, toutes les autres factions, c'est des factions à 32 villes. Donc ça va être super compliqué de faire quoi que ce soit, malheureusement. Ok, on fait quoi? On bourre, on... On va voir. Salut Satis. Relance à la première action, pas mal. Bon, mais la relance qui est pas mieux pour rien. Sur les blocages pour une fois. Ah bah t'as pas vu, ouais, mais t'as pas assisté à tout le match d'avant quoi. Ils ont assuré au niveau des blocages de bétail. Hein. Ouais, ben voilà, misero, cancer des fesses, oups là. Mort, pas d'apothicaire. C'est des Nurgles, hein. Il n'y a pas d'apothicaire. Quand il y a un mec qui est mort, il le mange. À peu de choses près. Comment ça se joue des Lopez, j'en sais rien. Des Hoffman. J'en sais rien. Il fait chier, il a que des gros sacs. Je peux pas trop blitzer, attaquer, il a que des gros en fait. Alors on va foutre Tolls derrière Kars et on va préparer une petite entourloupe. Ça va et toi Hugo? Comment que tu vas, tu bien? Hugo la farce Pokémon. T'es en compagnie de personne, merde. Non, oh, c'est triste ça. Oui, ce que j'aurais pu faire effectivement, c'est me reculer de son horreur. Ouais. Ça aurait été intéressant effectivement. Donc là, on va essayer. Alors, objectif bonus du match. C'est de faire des blitz sur les pourris et les pestigores avec Tol, c'est sa corne. Histoire de le faire pex, qu'il puisse avoir griffes, châtaignes, etc., etc. Bon, là ce qu'on va faire, le plus simple, c'est d'utiliser une transmission ici. C'est pas affecté par les... Oh, 33% de réception. Oh, présence perturbante. Oh, putain. Ah ça, j'y arriverai, je m'en rappelle pas.
Là, la présence perturbante sur sur mon tas de connards là, ça va pas être cool. Ce qui fait que je vais être obligé de leur rentrer dedans. Mais non, c'est pas. Oui, au mince, oui. Oui. Ah oui. Je peux pas transmettre, c'est impossible. Enfin, c'est pas impossible, mais 33%, ça fait quoi? C'est du. C'est 3 plus, 2 plus? 3 plus. Voilà, je préfère que ça m'affiche les résultats en jet de dés, vous voyez. Hop. C'est plus simple pour moi. Ah oui, 5 plus. Oui, qu'est-ce que je raconte, 2 plus, 3 plus. 5 plus, évidemment. Et je le savais, c'est dans ma tête, ça a inversé. C'est bon, ça arrive. Je sais pas où aller, hein, je sais pas quoi faire. C'est pas. J'essaie de vous endormir un peu, là, mais en fait. Là, je vais taper sur sa grosse bête, là. Ouais. Il a présence perturbante lui ou pas? Lui il l'a pas. Lui il l'a pas, donc c'est le moins intéressant. Donc ce qui serait intéressant du coup, c'est de taper là-dessus, mais là je vais être à moins 2 dés. Après, ce qu'on peut faire, c'est ça. Là, je suis à 1D, 1D bloc. Il a quoi, lui? Il a quoi, lui? Il a rien. Il a rien, il a 50 000 trucs. C'est quoi ce truc encore? Ah putain, je suis perdu. Mais elle va jusqu'où sa présence perturbante? Tu fous de ma gueule, toi? Oh, je vais tenter de toute façon, que je fasse d'autres. Après, je peux faire une esquive. Hein. Je me prends la tête depuis tout à l'heure, mais j'ai juste à esquiver, quoi. Alors, hop. Voilà, je suis audacieux, j'espère le coucher du premier coup. Bon, ça fait rien, c'est pas grave. Et donc on se casse pas les couilles. Hop, esquive. Et je me casse. Voilà, c'était pas plus compliqué que ça, quoi. Des fois je me triture pour pas grand chose. J'ai phasé pendant une demi-heure parce qu'il y avait une présence perturbante. Il me suffisait de courir. Il y a un Tony qui va aller faire un tour dehors, je crois. Un petit orange mandarine. Ouais.
Putain, mes batteries, elles tiennent plus. Alors, donc là, une des premières choses à faire, c'est de péter la gueule à son horreur. Parce que j'ai mon machin qui a griffe là. Donc j'ai vraiment une grande chance de lui ouvrir la gueule. Donc faut en profiter quoi. Faut lui bourrer la tronche jusqu'à ce qu'il tombe. Ok, sonné. Wow, c'est déjà ça. Alors, qu'est-ce que tu me proposes toi ici? 2D. Donc je pourrais me retrouver là. Ce serait pas forcément très bien en fait. Après je peux esquiver là. 3 plus. Mais si je fais ça, j'avance pas. Alors déjà je voudrais dans la famille. Je branle rien, un carse. What? Oh, je me suis foutu dans la merde! Et que t'es con! Et que t'es con! Bah, ah oui, je viens de le relever, lui. Bah, moi, ça me paraît pas mal. 3 plus. 3 plus, derrière, je fais une passe. Et puis advienne que pourra, j'ai envie de te dire. Ouais, advienne que pourra, ouais, ouais. Ouais, bah oui, bah j'ai 37 piges, hein. Bah ouais. Eh bah oui. Rajeunis pas le pépère. Ah. Ah, ça, c'est un petit peu pas tchat, toi. Ouais. Ça c'est bien. Les gobelins tiennent le coup. Ça c'est vraiment cool. Ah, lui il réussit ses 3 plus. C'est pas grave. Ok. Il est à 1 GFI du touchdown. Il va falloir que je le blitz avec lui. Avec lui en soutien. Donc je peux peut-être blitzer avec NK. Je peux blitzer avec NK. Donc soutien. Il y a un GFI à faire, ça devrait aller. Oh là. Moi je viens tout seul moi. Oh putain. Double 1 quoi. Tiens, allez, quatrième sucrète, rien que parce que je suis énervé. Ah ouais, le mec quand il s'énerve et qu'il se met à prendre les sucrètes 4x4. Voilà, attention. Ouais, et puis lui, les 3 plus ça passe, les 2 plus ça passe.
Ah, c'est facile de marquer comme ça, moi. Cordialement la direction, bien sûr. Allez, c'est pas grave. On est encore en attaque, faut que j'égalise. Re, Mathéo. Ok, bon, on commence par les trucs relativement simples, à savoir ça. Oh putain, mais merci Mathéo. Voilà, toi tu me donnes des bonnes stratégies. Merci Mathéo. Je me suis encore mis dans la merde. Oh, couché par un gobelin. Allez. Mieux être que je t'écrase la tête. Ce qui va se passer de toute façon. Alors attends, est-ce que tu peux. Ouais, c'est jouable. Non, c'est pas jouable. Viens ici, toi. On va préparer la baliste. Celui-là, il se relève pas. Ok. Pas mal, ça sert à rien d'aller plus loin. Et voilà, je vais balancer Bleach par là. Voilà, il sera bien là-bas, il sera bien. Donc là il va être obligé d'envoyer du monde là-bas pour choper Bleach et de faire attention au lancer de Capi. Je joue Bafon. Bafon. Bafon, c'est pas la plus merdique, mais c'est une équipe de merde. C'est une équipe de merde. Non, franchement, faut le dire. À basse TV, c'est vraiment de la merde. Mais moi, je suis persuadé qu'à haute TV, c'est powerful. J'ai été invité à. Ah, là, c'est parti. Hein? Putain, mais je ne peux pas faire de lancer de gobelin. Salut Philippe, je ne peux pas faire de lancer de gobelin, il a des présences perturbantes partout. Et Kars à ce match-là, il en rame pas, il branle rien quoi. Rien. Même pas rien. J'aimerais bien marquer avec Nihilak pour lui faire un level up en fait. Alors là, on va donner un 2D plus à. Ah bah non, il y a lui qui est là. Il est où l'autre cornu là? Oh, j'aime l'utiliser. Merde.
Putain, concentre-toi un peu, sérieux. C'est chiant, quoi. Là, ça passe pas. Il reste 3 tours. À ce rythme-là, j'arriverai à rien. Ok, 2 SPP pour un quart, c'est cool. La... Ah mais oui! C'est mais qu'il est con! Un quart, c'est mon... Il a gagné un point de force au dernier match, putain. Mais oui, mais pourquoi? Présence perturbante, putain. Ah, j'y arrive pas, hein. C'est un truc de fou. Oui, la bébête qui reste bloquée, c'est bon, ça. Faudra penser à mettre quelqu'un à côté de Kars avant de l'utiliser. Bon, je vais aller marquer avec Trakma. Faut que j'arrête d'essayer de faire des passes parce que... Mais j'ai l'impression que tout le monde joue Nurgle en face, c'est chiant. Salut Joe. Je préfère jouer les factions de merde. Comme ça, quand je perds, j'ai une excuse. Tu vois. J'ai toujours la possibilité de dire oui, mais tu comprends, je joue bas fond, voilà quoi. Bon, ceci dit, je dis ça avec toutes les teams. Et si Tol, ça allait marquer un TD? Au moins, ça l'occuperait 5 minutes, il boufferait moins quoi. Sachant qu'il reste 2 tours. Il reste 2 tours. T'as compris qu'il restait 2 tours? Ouais. Bon bah t'as tout compris. Hein. Je suis pas mort, hein, je réfléchis. Mais non, je peux pas faire de lancer de gobelin, il y a présence perturbante. Là, je fais de la place. Okay. Donc là, on va ramasser la balle avec Enka. Blitzer Pollux. Et puis tracer vers le TD. Bon, on va faire ça. Voilà. Ou alors, j'y vais directement avec Trekma. Ce qui serait beaucoup plus sécur. C'est beaucoup plus sécur, comme ça j'ai une relance sur le ramassage.
J'ai une relance sur l'armassage et. Et puis c'est déjà eu. Ok. ouais Philippe, mais pourtant, hey, je lui bourre la gueule depuis le début de la partie avec mon personnage qu'à griffe. Enfin, pas depuis le début, mais je lui ai bourré une paire de fois avec mon griffeux, mais il veut pas. Oh là là, le guerrier du chaos qui se prend un coup de gobelin dans la bouche. Ok. Ouais, faut juste barrer, quoi. Juste reste pas à côté, tu vois. Ouais, voilà. Ça, t'es plus dans ses pattes, c'est bien. Un petit bloc à un dé ici, je tente. Ouais, c'était très con. C'était doublement très con. Enfin, c'est Nihilak aussi, j'aurais dû m'y attendre. Nihilak, il est un petit peu comme Tols. Hein. Quand il peut éviter, il évite. Hein. Yes! Yeah, c'est bon! Ah mais le blitzer griffe 4 de force, franchement, alléluia. Ok, un TD de Trekma, c'est cool. Merci Mathéo. Un autre? Là je peux pas. C'est la fin de la mi-temps. Merci Kars, mais c'est pas grâce à toi, hein, putain. Je sais pas ce que t'as aujourd'hui, mais. Branleur. J'ai pas peur. Pourquoi vous dites que j'ai peur? C'est pas vrai. Ouais. Ah bah non, même si j'ai blitz, je peux pas récupérer la balle. Donc ça sert à rien que je garde. Je voulais garder Kars devant puis faire lancer de gobelin, mais même si j'ai blitz, je peux rien y faire. Voilà. Non, je crois que Kars a pas tué un pestiféré au début de la partie. Ah, oh, je suis dégoûté. Les deux équipes gagnent un tour. Bah non, j'ai mis toute mon équipe derrière, je peux plus. Ouais,
Je sais plus du tout. Je sais pas si c'est Kars ou le mec d'à côté. Je sais plus. C'était sur la Los, mais. Bon, ils sont là pour ça, eux. Ils sont là pour ça, c'est des gobelins sans XP. Aïe, j'ai une gobelin. Oh merde, il m'a tentaculé ce con là. Oh! Quand il n'y a plus grand chose à faire, on peut se faire chier. Ça pas, la greffe a pas encore bien pris, Philippe, c'est pour ça. Ok, deuxième mi-temps. Je me mets jamais en full def, Mathéo, j'essaie toujours de gagner. Quoi tu joues? Hein? Hein? Lui, on va le garder derrière en cas de récupération. Kars, on va le reculer d'une case pour pas qu'il mange ses dents. Un petit gobelin à 0 d'XP pour mettre devant tout le monde. Un autre gobelin à 0 d'XP. Parce que ça coûte pas cher. Et encore un gobelin à 0 d'XP. C'est bien d'avoir des. Eh, sans déconner. C'est pas le pied d'avoir des trucs sacrifiables comme ça. Donc t'as rien à foutre. Il faut toujours des 0 d'XP. Hein. Donc ça, ça, ça. Et juste, je vais lui mettre là, ça là ici. Voilà. S'il y a un beau coup à faire avec, avec un lancer de gobelin, ce serait qu'on le rater. Salut X. C'est gentil, X. Mais pas très vrai. On appelle ça de la flatterie. Ok. Donc il neige. Attends. On peut faire que des passes éclair ou courtes. C'est pas très grave pour nous. Mais par contre, les GFI, on se casse la gueule sur 2+, enfin sur 3+. Sa grosse bête est vraiment à tarde en fait. Hein. Ouais, enfin, 1 et 2, tu te casses la gueule au lieu de 1, quoi. Tu doubles tes chances de te casser la gueule finalement. Oh, GG, il a réussi à ramasser la balle. Ok, donc on va faire confiance à Kars pour aller péter la. Péter le moule là. Ou lui péter la moule, peu importe. Hop, hop.
Ça fait du 2D. Donc on est à combien? On en a 5, 6, 7. Il a 4, on ne pourra pas avoir le plus 2. Là, je devrais pouvoir me faire un 2D avec le gobelin normalement. Ouais. Qui soutient le plus, ça fera 2D. On va commencer par le gobelin. C'est toll ça. C'est toll. Donc ça. Là, boum. Le blitz là-bas pour coller son porteur. Et puis on verra ce que ça donne après, quoi. Hein? On va faire comme ça. On va faire comme ça. Ok, répulsion, je peux pas le bloquer. Genre Tolsk qui est dégoûté par un truc. Non, enfin. Ah. Bon. Bon. Non, X-Game, je n'accepte pas les expérimentés. On prend pas les expérimentés, par contre, il y a trois poules qui sont faites pour les équipes neuves. Dedans, il n'y a que des équipes qui ont été créées très récemment. Combien ils ont? Là, ils ont 4 matchs. Toutes les équipes des poules débutantes ont 4 matchs seulement. Maximum, parce qu'il y a 3 personnes qui sont rentrées et qui font leur premier match cette semaine. Tiens, comme c'est étonnant. C'est vrai, non, Tolls KO, on s'y attendait pas. Alors, on va mettre un 3/4 en soutien sur le Pestigore. Et on va balancer Enkar. Mais j'ai pas besoin de soutien, il a plein de force. Qu'est-ce que tu... Allez, ouvre tes chakras, cool, tu vas y arriver. Bon, on fait confiance à Kars, il va réussir à... il va réussir à... Ah, mais merde, j'étais en train de décaler un blitzer. Mais ça sert à rien, je peux pas faire de passe. À cause du blizzard. Ah, putain. Ah oh bah lui je vais le récupérer en défense du coup. On va le mettre à côté de Kars, ce sera bien. Je patauge un peu là, hein. Je patauge un peu.
Ok, je pense que la balle va pas beaucoup progresser à ce tour-là, c'est bien. Accessoirement, sa cage, elle commence à faire la gueule. Voilà, donc il a fait une grosse erreur, c'est qu'il a collé sa cage à mes joueurs. Même si c'est que des gobelins, c'est pas grave, ça va me permettre de taper dedans. On va peut-être réussir à se débrouiller. C'est pas la peine de tuer les ennemis, Mathéo, il suffit de débrancher le modem de l'adversaire. Bah la box, excusez-moi le modem. Ok, donc là ce que je vais tenter, je pense, c'est un blitz avec Kars sur le GDC. Ah, en plus c'est Kars contre Kars. Peut-être plus celui-là, il est moins... Ouais, celui-là il est moins... Oh bah c'est Ike en plus. Ouais, je vais bourrer Ike, normalement il meurt très vite. Faut passer ton tour, Kiyoshiro. Merci. Alors. Allez, casse. Petite colle au porteur, tentacule, et il est baisé. Non, c'est pas ça que je te demandais, Kars. Non. Non, vraiment pas. Hein. Non. Mais dans le côté, j'ai fait de la merde. D'où je commence mon tour par le blitz de la bouse bête. Jamais vous devez faire ça, les gars. Jamais. Ouais. C'est Nurgle, c'est les trucs qui dégueulent, qui pètent, qui puent. C'est dans le thème, tu vois. Ouais, Tols. Ouais. Mais là, c'est dommage, parce que, bah, le match se passe pas si mal, hein. C'est juste que... Je suis une connerie. Ah, et des fois on joue avec le ballon aussi, Mathéo. Ah oui, ça arrive. Ça arrive. Ah merde. Ok. Alors, on relève celui-là d'abord. Ensuite, Kars. Ensuite, on va taper avec lui à 2D normalement. Voilà. Lui, je le recule ici. Ok. C'est du moins 2. Et donc, si j'arrivais à me ramener un quart, on pourrait blitzer à 2D. Attends, le problème c'est qu'il faut qu'il fasse une esquive. Est-ce que ça vaut le coup de... Est-ce que ça vaut le coup? C'est très fort ce bête là quand même, hein. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi t'as pas blitzé avec Izeria là par exemple?
La balle est tombée par là-bas. Allez Philippe, je confiance en toi. C'était. Non, c'était tendu, je t'ai pas filé le boulot le plus facile du tour. Non mais voilà. Faut être franc, je t'ai mis un petit peu dans la merde tout. Voilà. Combien il reste de tours? 4 tours pour gagner ou pour perdre, tu me diras. Il reste 4 tours pour un touchdown. Ou un touche d'âne comme vous voulez, on s'en fout, ça ne me regarde pas. Ah, je vais changer de jeu après Coraline. Je vais aller faire un petit peu de For Honor. Mais demain, je refais du Blood Bowl. Je commence à me demander si je vais pas en faire tous les jours de la semaine. Genre un match par soir, tu sais, pas plus. Qu'est-ce que t'as encore trouvé de Tulsa? Mais c'est quoi ce bordel? J'ai pas tous les messages sur le chat. Qu'est-ce qui se passe? Ok, là c'est bon. Putain, je me dis merde, je suis en train de parler à quelqu'un qui parle pas sur le chat. Qu'est-ce qui se passe? Mais si, c'est bon. Ah. Pour l'instant, j'ai pas de recrute prévue. Il n'y a pas de blessé. Il n'y a que lui, mais c'est pas grave. On verra tout à l'heure si j'ai de l'argent, tout ça. On verra tout à l'heure, Mathéo. Il est où Tals? Il est KO. Ah, Tals il est KO, tout est KO à côté, tout ça, tout ça. Alors ce qu'il faudrait, ça va être risqué encore une fois, mais je vais devoir commencer mon tour par une connerie, par Kars. Ah, quoi que je peux aller blisser avec lui. Hein. C'est pas le plus apte, mais bon. Ok, la balle qui sort, qui ressort, qui revient, et qui bouge plus. Ah ben c'est pas mal. Moi je viens tout seul, moi. Il faut que je récupère celui-là. Pour ce faire, Kars. C'est pas si mal. Voilà, on va le repousser là-haut. C'est bien. Là, ça nous fait un bloc à 1D. 1D bloc. Allez. Alors, est-ce qu'il a quelqu'un qui peut venir jusqu'à la balle? Ouais. Avec du GFI, mais il peut. Sachant que les GFI, c'est sur 3+. Hein. Alors, en fait, Coraline, quand je fais des matchs de Blood Bowl avec les viewers, tout le monde lance le match, et puis bah c'est le premier qui arrive qui est servi. Donc, je te promets rien, mais ce sera avec plaisir. Ah,
Allez, Kars, ce serait bien que... Parce que depuis que t'as tentacule, je crois pas que tu l'aies déjà utilisé une fois, en fait. Alors, c'est de ma faute, hein, je te place mal sur le terrain. C'est de ma faute. Mais ce serait sympa qu'un coup de temps en temps, tu puisses éventuellement, peut-être, utiliser les tentacules qui m'ont coûté la peau du cul. Hein. Cordialement... etc, etc. Bon, on relève les corneaux. Ah, j'ai plus de relance. Hein. J'ai plus de relance, c'est pas simple. Alors. Lui, il va venir essayer de prendre la balle, donc lui, je vais le mettre là pour empêcher celui-là de se mouvoir facilement. Ce qui peut être intéressant, c'est de libérer Trekma pour qu'il puisse chercher la balle. Ça, ça peut être intéressant. Mais il faut le libérer, quoi. Ouais. Tout le problème, c'est que le plan se basait sur le fait que Kars ne me fasse pas de l'année. J'ai raté. Là, je prépare mon jeu de course, hein, parce que j'ai pas 50 solutions, il me reste 2 tours, donc il faut que je ramasse la balle avec Bleach, que je la transfère dans ce coin-là, là, à Izé, et qu'avec Izé, je me casse. Avec Trekma, ça aurait été mieux, il a plus de mouvement, mais il va pas être sortable facilement. Bon, les autres non plus, on va être sortable facilement. Mais... ok, j'ai bien fait commencer par celui-là. Donc là, on a enlevé une zone de tacle, là, on va enlever... présence perturbante, je peux pas passer la balle ici. Donc. Donc on va faire directement. On fait un petit ménage ici. Ensuite, avec lui, on va aller blitzer cette bête-là.
qui me casse les couilles. À 2D, donc ça devrait passer crème. Oh. Après, il fallait que je fasse une transmission, une passe. Hop, j'allais sur le 3 quarts et je courais. Ah, les dés de ses morts, ouais, non, complètement. Mon plan était pas pourri, nécessairement. Oh bah non, t'es fou, toi. Bon, bah écoute, match nul. C'est peu de le dire. Bon, j'ai eu de la chance. Pourtant, je lui ai dit dans le chat. J'ai eu de la chance qu'il sache vraiment pas jouer sa bête de Nurgle. Ouais, égalité. Ouais. Il faut vraiment.